Bonjour. Aujourd'hui, je veux sortir un peu de l'ordinaire. Parce que moi aussi, j'ai des choses à dire. Alors, j'ai décidé de prendre de temps en temps de vous parler de mes passions. Et ça prendra un petit 10-15 minutes avant de vous présenter mon invité. Alors, aujourd'hui, ce que je veux vous parler, c'est deux hommes formidables. Vous savez, on a eu des Mozart, des Beethoven, mais on a des gens ici présentement au Québec qui sont extraordinaires. Alors, ne serait-ce que ce matin, j'écoutais deux filles le matin, et puis un jeune homme est passé qui s'appelle Daniel Clark Bouchard. À 3 ans, il jouait déjà de la musique, du piano, et aujourd'hui, il a 20 ans et c'est extraordinaire quand on l'entend. Maintenant, moi, en faisant une méditation, il y avait un musicien qui s'appelle Robert Coxon, qui fait de la musique de détente et aussi, à l'âge de 1 an et demi, il jouait déjà du piano. Alors, on a des phénomènes chez nous aussi. Il est né au Québec, il a étudié à McGill et maintenant, il fait de la musique pour des films, des conférences, pour des détentes, pour des associations. Et c'est tout à fait extraordinaire. Alors moi, je vous invite un petit 10 minutes de détente. On est tellement survolté par toutes sortes de choses. Et ce 10 minutes-là, c'est simplement de la musique de Robert Coxon. Si vous voulez le connaître davantage, allez sur Internet et vous allez voir tout ce que cet homme-là fait et joue. C'est extraordinaire. Et dans la deuxième partie que vous allez écouter, c'est la partie qui est venue me chercher le plus. J'ai commencé à avoir des frissons, des petits tremblements. Alors, c'est juste pour vous dire que les sons et les fréquences viennent nous rejoindre. Vous le savez, quand vous écoutez un chant ou une musique quelconque, puis vous dites, « Ah, ça, quand j'écoute ça, là, ça me fait chaud au cœur. » Bien là, je vous invite à avoir chaud au cœur en écoutant Robert Coxon, une petite méditation, c'est plutôt une relaxation de 10 minutes. Alors voilà, et mon bon ami Michael va vous le présenter. Je m'appelle Robert Haig Coxon. J'ai composé cette musique spécialement pour vous. Une musique qui vous aiderait premièrement à faire la détente totale et aussi d'expérimenter la beauté intérieure. En voyant votre beauté infinie, vous allez pouvoir reconnaître cette qualité dans chacune des autres. Alors, fermez vos yeux, respirez avec la musique et laissez chaque note vous emmener vers la paix, la joie et l'unité. L'unité avec toute l'humanité.
Bonjour. Aujourd'hui, je reçois une dame extraordinaire. Mais vous vous souvenez, il y a quelques semaines, j'avais reçu Hélène Giroir et Joëlle Thomas de « Aux couleurs de la vie ». Elles avaient été fort intéressantes et Joëlle nous avait mentionné à ce moment-là qu'elle avait écrit un livre. Et je lui ai promis, elle m'a promis qu'elle venait nous en parler, et elle est là aujourd'hui pour nous en parler de ce livre qui est extraordinaire. Ça fait deux fois que je le lis, puis je vous invite à vous le procurer parce qu'il est vraiment intéressant. Alors, le titre, c'est « Je parle Alzheimer, le langage du cœur ». C'est le langage de l'amour, je vous assure. Un livre passionnant, plein de textes intéressants, des exemples. C'est écrit simplement, très lisible, un beau livre. Alors, pour vous en parler, je reçois Joëlle. Bonjour Joëlle. Bonjour Diane. Merci pour le livre, je l'ai beaucoup aimé. Alors, dans un premier temps, il faut avoir vécu beaucoup d'expériences pour écrire un livre comme celui-là. Si tu nous en parlais. Oui. En fait, la première expérience, au plus loin que je me souvienne, j'avais 14 ans. Et à l'école, les professeurs ont demandé si des élèves étaient d'accord de remplacer des religieuses chez les Petites Sœurs des Pauvres pendant la semaine de vacances de Pâques pour qu'elles puissent fêter Pâques dans leur famille. Et donc, je suis allée une semaine m'occuper des personnes âgées chez les Petites Sœurs des Pauvres en Belgique, d'où je viens donc. Et ça a été l'occasion de découvrir le langage du cœur de façon vraiment très puissante. Je m'occupais donc des personnes on m'avait confié en fait les personnes grabataires, des personnes qui restaient au lit, qui étaient paralysées, qui ne parlaient pas, des personnes désorientées. Et mon rôle était de les nourrir, leur laver les pieds, les mains, leur couper les ongles. Et j'avais vraiment une envie très, très forte de communiquer avec eux. Et je remarquais qu'ils ne me comprenaient pas. Et donc, je disais quelques mots tout en faisant ce que j'avais à faire, avec toujours cette envie de rencontre avec eux. Et le dernier jour, avant de quitter, je terminais de donner à manger à un monsieur qui était paralysé et qui ne parlait plus. Je lui dis, c'est mon dernier jour, là, c'est la dernière fois que je vous vois, alors je vous dis au revoir parce que je vais retourner à l'école. Et la religieuse va revenir. Et j'entends un son qui vient de sa gorge, là. Vraiment, il faisait un effort surhumain pour arriver à sortir un petit son. Et puis ses yeux fixaient une petite boîte sur sa table de chevet. Ce qui fait que, tout étonné, qu'il y ait quelque chose qui... une rencontre qui se passe, là, je prends la boîte et je lui montre la boîte et je dis, est-ce que c'est ça que vous voulez ? J'ai l'impression que ses yeux deviennent plus brillants, ce qui fait que j'ouvre la boîte et je vois des bonbons qui collent tous ensemble. Hein. Alors j'en prends un et je l'approche de sa bouche. Et je remarque que manifestement, il serre encore plus ses lèvres au lieu d'ouvrir la bouche. Fait que j'étais toute perdue, je ne savais pas quoi faire. Je me dis que je n'ai pas compris. Et à ce moment-là, j'ai entendu à l'intérieur de moi une petite voix, là, ma petite voix intérieure qui me disait « C'est à toi qui veux offrir ce bonbon. Oh. » J'étais vraiment pleine d'émotions, mais tout de suite, mon mental est arrivé. Oui. Et attention aux microbes. Ah, bon. Et donc, à ce moment-là, mon cœur a été plus fort que mon mental. J'ai pris le bonbon, je l'ai mis en bouche, et j'ai vu ce monsieur comme s'éveiller, vraiment tout son être vibrait, tout son corps était vraiment pétillant, là. Et je me suis sentie dans la même bulle d'amour que lui. Il n'y avait plus de différence, moi, la petite de 14 ans, puis le monsieur de 80 et des ans. Enfin, il n'y avait aucune différence. On était présents d'être à être.
Et c'était extraordinaire, tellement extraordinaire que je ne l'avais jamais raconté. J'avais peur que ça diminue, le fait d'en parler, que ça diminue ce cadeau, que ça diminue mon expérience. Et donc, je suis restée avec ce cadeau à l'intérieur de moi. Et puis, ben, après avoir fait mes études de psychologie, j'ai eu d'autres rencontres. Et toutes ces rencontres me confirmaient que c'était possible de communiquer avec les personnes qui avaient la maladie d'Alzheimer ou qui avaient une déficience cognitive. Mais ça ne se passait plus comme on communique habituellement. C'est un autre mode. Ce n'est pas le mode du mental, le mode habituel dans la société qui est encouragé à l'école, dans les universités. C'est vraiment le mode de cœur à cœur et d'âme à âme. Et c'est ainsi que j'ai développé ce mode de communication. Et puis, lors d'un congrès de soins palliatifs international à Bruxelles, on m'avait demandé de présenter ma façon de communiquer avec les personnes désorientées, et surtout quand elles sont en fin de vie, là, quand elles ont vraiment perdu la capacité de parler. Et suite à ça, on m'a demandé d'écrire un livre. Et donc, j'ai mis le temps avant de l'écrire. C'était en 92 qu'on me l'a demandé, et puis c'est seulement en 2013 que je l'ai sorti, en ayant écrit de temps en temps un petit peu, mais j'ai eu le temps de l'écrire seulement quand je n'ai plus de permis de travail pendant une année à peu près au Québec. Et donc à ce moment-là, je dis, ben, là je peux me consacrer à l'écriture de ce livre. Et dès que j'ai eu ma résidence permanente avec le nouveau permis de travail, parce que l'ancien donc avait expiré un an avant, j'ai pu le publier, puis il a été publié aussi par un éditeur en Europe et puis aussi en espagnol par un autre éditeur. Je ne parle pas espagnol, mais c'est l'éditeur qui l'a traduit. C'est merveilleux parce qu'il y a vraiment des textes extraordinaires. Puis là, tu as inventé une méthode, les 7 clés. Parce que ça, c'est extraordinaire quand je l'ai lu. Alors, tu m'en parles? Oui. En fait, quand j'ai eu beaucoup de stagiaires de l'université, des stagiaires en psychologie qui venaient pour faire leur année de stage et m'accompagner donc dans mon travail. Et donc, c'était important de pouvoir transmettre. Et puis aussi au niveau des familles, au niveau du personnel soignant. Et c'est comme ça que petit à petit j'ai relevé les 7 clés qui facilitent cette mise en route de la communication de cœur à cœur et d'âme à âme. Comme tu dis si bien, la vraie relation. La vraie relation. Oui. C'est vraiment la relation authentique, alors que quand on part du mental, la relation cogne un mur, parce que c'est au niveau du mental que les personnes sont malades. Mmh. Et donc, c'est important de pouvoir communiquer au niveau où elles ne sont pas malades. Oui. Et donc, voilà, la première chose, la première clé, c'est la présence totale. La présence totale, c'est vraiment pour pouvoir être à l'écoute de notre petite voix intérieure, oui, en s'alignant sur notre âme. Et par cette présence totale à moi, je peux agrandir ma présence jusqu'à l'autre. Et donc, ça aide l'autre aussi à pouvoir être plus présent dans son corps. Il y a comme une longueur d'onde qui s'installe. Oui. Tout à fait, comme une longueur d'onde qui s'installe, alors que si je pars de mon mental, j'éveille le mental chez elle, et à ce niveau-là, c'est l'inquiétude parce que la personne, oui, est malade à ce niveau-là, est perdue à ce moment-là, et à ce niveau-là, et alors
Il y a des personnes qui vont jusque devenir comme absentes, d'autres qui deviennent agressives, parce que c'est tellement souffrant de ne plus savoir qui elles sont et d'être tellement perdue. Alors que quand je suis présente dans mon fort intérieur, au niveau de mon cœur, guidée par l'amour et l'intuition, ce niveau-là, c'est cette longueur d'onde-là qui est éveillée chez la personne. Oui. Et à ce niveau-là, elle n'est pas malade. Et donc, ça permet la seconde clé, la rencontre. La rencontre, c'est vraiment, ça se passe dans l'instant présent et au niveau où se trouve la personne, dans son monde. Je ne cherche pas à la ramener dans mon monde. Elle n'en est pas capable. Je la rencontre dans son monde. Et c'est l'erreur qu'on fait de la ramener. Oui, puis elle ne revient pas, là. C'est ça. Beaucoup de frustration des deux côtés pour la personne qui dit « je vais l'aider, je vais la ramener dans la réalité ». Ce qu'elle dit, ce n'est pas juste ou ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Ou c'est, hein? Oui. Et en fait, ça crée une incompréhension et du coup un conflit facilement. Beaucoup d'incompréhension génère des conflits. Parce que la personne, elle n'était pas là. Donc, elle n'est pas capable de nous rejoindre où nous sommes. C'est à nous à la rejoindre là où elle est. Et pour la rejoindre là où elle est, mais je peux m'harmoniser à elle. Je reviendrai peut-être plus tard là-dessus, avec des exemples, pour pouvoir continuer d'abord avec les clés. Oui, absolument. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Peut-être que si ça continue, il va falloir que tu reviennes. Alors, on en était... Et donc, la seconde clé, c'est la rencontre. La troisième clé, c'est le non-jugement. Le non-jugement qui est de moi à moi, pour que je puisse vraiment rester à l'écoute de ma petite voix intérieure et pas passer dans le mental. Les jugements, c'est toujours dans le mental. Hein? Oui. C'est pas le cœur qui juge. C'est toujours le mental. Donc, le non-jugement, de moi à moi, ça me permet de rester connecté dans mon fort intérieur et de pas filer dans mon mental. Et puis, ne pas tenir compte des jugements des autres. Laisser aller les jugements des autres, ne pas les retenir. Parce que sinon, je vais donner priorité aux critères de l'éducation qui disent on ne peut pas manger comme ça, ou on ne peut pas parler comme ça, ou on ne peut pas... Bon, là aussi, j'ai un exemple. Quand j'ai rejoint une personne qui se couchait par terre, et on avait beau demander... la remettre dans un fauteuil, la mettre dans son lit. Elle se remettait couchée par terre dans le corridor. Mais si je n'avais pas... je n'étais pas restée dans le non-jugement et que je n'avais pas laissé aller le jugement autour de moi, je ne l'aurais pas rejointe. Mais, mais ça aussi, c'est un exemple qui peut venir plus tard. Hein? Okay. Et donc, quand ces trois premières clés sont déjà installées, sont atteintes, vient la quatrième clé qui est l'échange. L'échange, c'est avec vraiment l'aller-retour avec l'autre personne. Ça se passe seulement quand la rencontre a eu lieu, qu'on est dans le non-jugement et dans cette présence, et qui fait que la personne a conscience que nous sommes là, avec elle. Et du coup, il peut y avoir un échange. Alors là, de nouveau, l'échange, c'est l'aller-retour. Et ce n'est pas seulement l'aller, et puis c'est moi qui fais encore le retour. Ce qui arrive très souvent quand il y a des personnes désorientées, la personne qui n'est pas désorientée, l'aidant, va poser une question, mais va donner la réponse. Oui. En disant, de toute façon, elle ne sait pas, une autre personne. Alors que ce n'est pas vrai. Elle sait dans son cœur. Elle ne sait plus comment dire, mais elle sait dans son cœur. Et donc, l'échange, c'est vraiment cet aller-retour en tenant compte de la réponse de l'autre pour pouvoir poursuivre l'échange. La réponse de l'autre va nous aider à savoir où elle en est. Et cette réponse peut-être non-verbale, et très souvent est non-verbale. Hein, parce que 80% de la communication est non-verbale. Okay. Donc, si nous accordions moins d'importance aux mots,
nous aurions beaucoup plus de facilité à communiquer avec les personnes qui ne trouvent plus leurs mots, puis qui ont qui gesticulent beaucoup, oui. Puis oui. Mais on aura éventuellement quelqu'un qui va nous parler la voix des mains. Ah. La façon de juste bouger avec nos mains veut dire quelque chose. Oui. On va en savoir tantôt, Joëlle. Oui, oui. Et ça, c'est tout à fait inconscient. Oui. Et donc, les personnes qui sont malades, c'est au niveau des neurones qu'elles sont malades. Donc, c'est au niveau de leur volonté, de leur conscience, alors que le subconscient n'est pas atteint. C'est, là, le subconscient n'est pas malade. Donc, vous voyez que le langage des mains et le langage non-verbal est important. Et donc, la cinquième clé, c'est la reformulation. Et la reformulation, c'est de répéter un mot, la phrase, une phrase, ce que la personne dit pour pouvoir lui permettre de se rendre compte qu'on l'écoute, qu'on est avec elle, mais en même temps, nous ne disons rien de plus pour ne pas orienter la conversation. Parce que si j'ajoute une question ou j'ajoute un petit mot supplémentaire, je ne vais pas permettre à la personne qui a déjà des difficultés à pouvoir s'exprimer d'aller jusqu'au bout de ce qu'elle veut dire. Je vais la distraire et l'amener ailleurs. Et donc, en reformulant, juste un oui, vous me dites que vous avez vu ça. Mais elle peut, à ce moment-là, aller plus loin dans son dialogue, dans ce qu'elle veut transmettre. J'ai vu ça, j'aimais pas. Ou bon, je ne sais pas, j'ai vu ça et ça m'a fait penser à ça. Parce qu'elles ont des moments où le mental fonctionne mieux. Il y a des moments où les circuits fonctionnent mieux et des moments où ils sont plus paralysés, où l'information ne passe pas d'un neurone à l'autre et donc où le programme et la réflexion n'est plus possible. Alors la sixième clé, c'est de vraiment reconnaître et stimuler l'identité affective. L'identité affective étant la seule identité qui reste pour ces personnes, surtout quand elles sont déjà assez loin dans la maladie. Mm-hmm. Notre identité, nous la construisons dans notre relation au monde. C'est à travers cette relation au monde que nous disons je suis bonne en ça, ou je suis pas très douée pour parler en public, ou j'aime ceci, j'aime pas cela. Donc c'est vraiment dans la relation au monde que nous construisons notre identité. Et au tout début, l'enfant, c'est dans sa relation avec ses parents, et puis le monde s'agrandit. Et malheureusement, c'est la facette intellectuelle de l'identité qui a été beaucoup valorisée, surtout à partir de l'école, mais déjà avant. Et bien souvent, la facette affective de l'identité est assez réprouvée. Montre pas tes sentiments, sois raisonnable, utilise des mots. Enfin bon, la facette affective n'est pas beaucoup encouragée. Or, pour les personnes atteintes de désorientation, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on peut communiquer. Donc, c'est important de les stimuler, de les aider à être en contact avec ce niveau-là. Parce que l'habitude, c'est de chercher là où ça ne va plus, mais en les aidant, sentez-la, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que vous ressentez là? Arrêtez de comprendre, là. Et oui, oui, oui. Et donc, à ce moment-là, elles s'habitent de nouveau et elles sentent qu'elles sont vivantes, et c'est tellement sécurisant pour elles. Donc,
à ce moment-là, la communication peut se faire. Et puis la septième clé, c'est accompagner les personnes dans leur deuil. Parce que c'est sûr que c'est une maladie qui génère des deuils déjà dans le quotidien, oui. Avec les pertes successives que ces personnes vivent. Mais en plus de ces deuils-là, il y a des deuils anciens que des personnes n'ont pas terminés, qui peuvent ressurgir parce que leur conscient n'est plus capable de maintenir le couvercle dessus. Oui. Et du coup, ça ressurgit alors que ça date. Mais ils ont besoin de les régler, ces deuils. Donc, on a besoin de les accompagner à ce niveau-là. D'accord. Alors, ce sont les sept clés. Oui. Oui. Eh bien, maintenant, ce que j'aimerais faire, parce qu'on a déjà, on est déjà sur la fin, mais tu reviens pour nous donner des exemples la semaine prochaine. Mais ce que je veux mentionner, c'est que j'aimerais, Michael, voir le couvercle du livre. Et si vous avez le temps, je vous invite à aller le chercher, peut-être à la bibliothèque. Ou, Je peux montrer peut-être où est-ce qu'il y a moyen de se... Ah oui? Est-ce que c'est visible? Le Alzheimer, oui, voilà. Les endroits où on peut se procurer le livre. On peut se procurer. Donc ici, ça, c'est mon site Internet. Et donc, il y a moyen de... le commander par le biais de mon site Internet. Et à ce moment-là, je l'envoie et les frais de livraison sont à ma charge. C'est donc $20 le livre et je paye la poste, les frais de poste. Il y a moyen de se procurer aux couleurs de la vie, donc à Joliette, l'organisme qui se trouve sur la rue Saint-Joseph, près du Palais de Justice. À la Société Alzheimer de la Nodière à Joliette aussi, au magasin de l'abbaye de Val-Notre-Dame, donc à Saint-Jean-de-Mata, et puis dans les librairies partout au Canada. Et là, ça prend un peu plus de temps parce que les libraires, alors, s'adressent à moi pour que je leur envoie le livre et puis eux, après ça, envoient le livre, tiennent le livre en magasin pour la personne qui l'a commandé. Voilà les différentes possibilités. Eh bien, je vous dis au revoir parce qu'elle sera là la semaine prochaine avec nous pour vous raconter les histoires et les expériences qu'elle a vécues. Alors, à bientôt. Merci.